L'artiste malien Sidiki Diabaté, très proche de Feu DJ Arafat, revient sur le type de relation qu'il entretient avec Carmen Sama. Invité sur le plateau de Willy à midi, un talk show ivoirien pour parler de cet événement, l'artiste a au cours de l'émission, levé un coin de voile sur la nature de sa relation avec Carmen Sama, la veuve de son ami Feu DJ Arafat, répondant à une question d'un internaute. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler de vous abonner à la chaîne Tam Tam Parleur si vous souhaitez être au cœur de l'actu people. Allons pour cette nouvelle vidéo. La complicité entre Carmen et Sidiki répond à la question de savoir le type de relation qu'il entretient avec Carmen. Le roi de la Kora n'a pas manqué de dire sans ambage qu'elle l'a toujours considéré comme son mari. Carmen m'a toujours respecté et toujours pris comme son mari. Au début de ce mois de Ramadan, j'étais absent car étant au Mali, Carmen a apporté du sucre et fait la cuisine pour mon père. Pas parce que je suis son mari, mais parce que je représente un ami. On a des liens très forts, elle m'explique sa vie, j'essaie de la mettre sur le bon chemin à ma façon, a-t-il explicité. À propos des critiques contre Carmen Sama, Sidiki Diabaté, Carmen Sama doit être soutenue dans son élan de se reconstruire après le décès de son conjoint. Elle doit refaire sa vie, elle a droit au bonheur. Après le départ de Didier, elle montre une joie de vivre. Elle a un père et une mère, mais Didier est sa carte d'identité. Carmen Sama représente les images qui apparaissent à la télé et Didier comme la prise sans laquelle cette télé ne peut fonctionner. Elle a donc besoin de soutien, a-t-il soutenu. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like ou votre impression en commentaire.